Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé L'enregistrement des factures. Notre application est la suivante. L'entreprise Mobibois est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Elle réalise ses meubles en achetant du bois à son fournisseur Forêt-Noire, grossiste en bois de toutes essences. Donc, première question, pour chacune des opérations reproduites ci-dessous, nous allons enregistrer la facture dans la comptabilité du client, puis celle du fournisseur. Puis dans une deuxième question, nous avons deux factures qui ont été envoyées par l'entreprise Forêt-Noire à son client Mobibois. Nous devrons les compléter, puis les enregistrer successivement dans les comptabilités des deux partenaires. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice vous-même à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Une fois ceci fait, vous pourrez redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc par corriger la première question. Nous allons enregistrer dans un premier temps les opérations qui nous sont données dans la comptabilité du client Mobibois. La première opération est une facture datée du 1er juin sur laquelle Forêt-Noire vend à Mobibois du bois. Par conséquent, pour l'entreprise Mobibois, il s'agit d'un achat de matières premières qui va s'enregistrer dans le compte 601, achat stocké de matières premières. Le montant enregistré correspond au montant net commercial, 20 520 euros. La TVA apparaissant sur la facture est une TVA déductible sur autres biens et services, et nous constatons une dette sur le fournisseur dans le compte 401 pour le montant TTC de la facture. Sur la deuxième facture, Mobibois achète à nouveau du bois à son fournisseur Forêt-Noire. Cette fois-ci, la facture compte une remise de 8% et un escompte de 2%. Nous allons donc, une fois encore, constater un achat de matières premières pour le montant net commercial 36 800 euros. Nous allons constater la TVA déductible sur autres biens et services dans le compte 44 566. La facture étant payée au comptant par chèque bancaire, nous allons devoir créditer le compte 512 banque pour le montant TTC de la facture. Pour équilibrer notre écriture, il va nous manquer 736 euros au crédit qui correspondent au montant de l'escompte. Nous l'enregistrons donc dans le compte 765, escompte obtenu. Nous pouvons ensuite enregistrer les opérations du 6 juin. Tout d'abord, Mobibois envoie un acompte de 800 euros par chèque bancaire à son fournisseur Forêt-Noire pour une commande de bois. Pour cette opération, nous allons débiter le compte 4091 fournisseurs avances et acomptes versés et créditer le compte 512 banque. Le même jour, Mobibois envoie le chèque bancaire numéro 764 en paiement de la facture numéro 418. C'est la facture que nous avions enregistrée le 1er juin. Par conséquent, nous allons solder le compte fournisseur 401 et créditer le compte 512 banque. Enfin, il nous reste une dernière facture à enregistrer sur laquelle Mobibois achète là encore du bois à son fournisseur Forêt-Noire. Sur cette facture est soustrait l'acompte de 800 euros que nous venons d'enregistrer le 6 juin. Par conséquent, dans notre écriture, nous allons à nouveau débiter le compte 601 achat stocké de matières premières pour le montant net commercial 1 920 euros.
Nous allons constater la TVA déductible sur autres biens et services. Et nous allons constater la dette sur le fournisseur, compte 401, pour le montant TTC de la facture. Pour équilibrer cette écriture, il nous manque 800 euros au crédit de notre écriture, qui correspondent au montant de l'acompte qui avait été versé. Par conséquent, nous reprenons le compte 4091 fournisseurs avances et acomptes versés que nous soldons. Enregistrons maintenant ces mêmes opérations dans la comptabilité du fournisseur Forêt-Noire. Pour Forêt-Noire, le 1er juin, il s'agit cette fois-ci d'une vente de marchandises. Cette vente de marchandises enregistre le montant net commercial. Comme il s'agit d'une vente, nous aurons cette fois-ci de la TVA collectée et nous constatons au débit la créance sur le client Mobibois pour le montant TTC de la facture. Pour la facture du 4 juin, nous aurons là encore une vente de marchandises pour le montant net commercial, la TVA collectée, le paiement par chèque qui s'enregistre au débit du compte banque, et pour équilibrer l'écriture, 736 euros au débit dans le compte 665 escompte accordé. Le 6 juin, nous enregistrons l'acompte que reçoit l'entreprise Forêt-Noire. Il s'agit donc de débiter le compte 512 banque et de constater au crédit une dette sur le client à qui l'on doit une marchandise dans le compte 4191 client avance et acompte reçu. Le même jour, nous constatons le paiement de la facture 418 en débitant la banque et en créditant le compte client pour solder la créance. Enfin, la facture du 10 juin s'enregistrera de la manière suivante. Nous constatons la vente de marchandises pour le net commercial, la TVA collectée, la créance sur le client pour le montant TTC de la facture, et c'est le compte 4191 qui viendra équilibrer l'écriture. Dans la deuxième question, nous avons deux factures à compléter puis à enregistrer dans la comptabilité des deux partenaires. Ces deux factures, une fois complétées, auront l'allure suivante. Je vous suggère de mettre cette correction en pause afin de visualiser la correction et de vérifier vos calculs. Nous pouvons ensuite enregistrer ces deux factures dans la comptabilité tout d'abord de Mobibois. La première facture, donc datée du 11 juin, va s'enregistrer de la manière suivante. Nous allons constater un achat de matières premières pour le montant net commercial 3796,56. La TVA déductible sur autres biens et services pour 744,13 €. Et enfin, la dette sur le fournisseur 401 pour le montant TTC de la facture. La deuxième facture s'enregistrera de la manière suivante. Le principe est similaire, simplement cette fois-ci va intervenir dans l'écriture le compte 765 escompte obtenu qui enregistrera 156 euros et 38 centimes. Enregistrons maintenant ces deux factures dans la comptabilité du fournisseur Forêt-Noire. La première facture sera une vente de marchandises pour le montant net commercial. La TVA sera collectée et le TTC s'enregistrera au débit du compte 411 client.
La deuxième facture s'enregistrera sur le même principe, simplement cette fois-ci interviendra le compte 665 escompte accordé qui enregistrera au débit les 156,38 € que l'entreprise accordera au titre de l'escompte à son client Mobibois.